You've told me more than once to show you my intention. My brain gets blocked at times, but now somehow I'll give you my attention. You've got to know that I ain't a person who understands all the clockwork of a romance. Forme, j'ai une tache sur mon écran et en fait elle est pile poil sur mon nez. Voilà, en fait c'est sur mon retour d'écran et quand je regarde, du coup je vois une tache. Je me dis, mais c'est quoi ça? Alors, on est dimanche aujourd'hui. Greg vient juste de partir. Il va aller jusqu'au potager voir s'il n'y a pas eu trop de dégâts avec la tempête. Il nous en annonce une aujourd'hui. Donc, je ne sais même pas si la balade aujourd'hui elle va avoir lieu parce que vu les dégâts qu'il y a eu, les arbres qui sont tombés et tout. Voilà, Angel m'avait demandé pour aller faire un tour en forêt, mais c'est pas le moment, hein, on va éviter, si on n'a pas envie de se retrouver avec une branche sur la tête, hein. Il fait pas très beau, il fait nuageux, j'ai l'impression qu'il pleut et tout, hein, un beau dimanche qu'on va rester à la maison. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer mes petites entrées pour la semaine. Donc je vais râper mes carottes, j'ai prévu carottes râpées. Greg m'avait demandé des champignons à la grecque, donc je vais faire des champignons à la grecque. Après bon, les deux autres, j'ai pas besoin de les préparer, mais je me dis que ça me fera gagner du temps aussi la semaine, un peu comme les desserts quoi en fait. Puis comme là il va avoir la reprise, il suffit que j'ai des réunions ou quoi le soir, comme là cette semaine, à un moment où j'ai un petit peu traînaillé le... Voilà, et du coup j'ai zappé l'entrée, je l'ai pas fait. Donc, et en fait on aime bien ce système. Alors il y a des moments, c'est plus... c'est pas forcément un légume, mais quand c'est un légume, ça fait manger un légume aux enfants, et à nous aussi, mais surtout aux enfants. Et puis il y a des choses comme les sardines ou quoi que j'ai prévues cette semaine, et ben on n'en mange pas, alors qu'il y a plein de... Voilà, d'oméga 3 et tout dedans, qui sont bons pour la santé. Et c'est vrai que tout ce qui est poisson comme ça, à part le thon, on a tendance à pas en manger. Voilà, bref, donc je vais préparer ça, je vais faire les carottes râpées et les champignons à la grecque, on va les faire ensemble. Je voulais vous montrer, alors il y a l'aspirateur qui va, donc il y a un petit bruit de fond. Oui Marley, je vais t'ouvrir. Il y a sa balle qui est dehors, alors du coup je m'embête pour aller de la chercher. Allez, reviens. Viens vite. Viens vite, 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 vite. Non ? Oui, allez. Hop ! Oui, je voulais vous montrer. Il va chouiner autrement jusqu'à ce qu'il y ait sa balle. Greg ce matin a rentré du bois et en fait il y avait un morceau de bois qui était plat. Une écorce en fait plate et je me suis dit, ouh ça m'intéresse. En fait non, il savait parce qu'il m'a dit, ah je pense que celui-là va t'intéresser. J'ai dit, ouh tu me connais bien. Donc on va le retravailler un petit peu, mais je l'ai posé là. Et j'aime bien le fait que ça fait. Bon, il faut que je le nettoie et tout, hein, mais je pense que voilà, donner un petit coup de ponçage peut-être aussi. Mais voilà, j'aime bien. Avec mon terrarium sur le dessus. J'aime bien. Bon allez, on va aller ce matin en cuisine. Alors, pour les champignons à la grecque, au début j'allais faire, enfin j'ai une recette sur le livre que je vous avais parlé là. Le petit livre que j'avais retrouvé. Celui-là. Donc j'ai cette recette ici. Mais en fait en regardant, il y avait une recette aussi sur Cucomix. Donc du coup je vais tenter la recette au MCC. Je vais voir ce que ça donne. Voilà. Alors en fait au niveau des ingrédients, c'est plus beau. C'est oignon, de l'huile d'olive, du vin blanc, de la coriandre, coulis de tomate, sucre en morceaux, du thym, du laurier, du sel, du poivre et des champignons. Alors là il y a écrit en conserve, mais moi je vais utiliser des frais.
Ouais. Parce que j'ai pas de. J'aime pas les champignons en conserve. Donc on va tenter ça, on verra. Alors, faut commencer par mixer l'oignon et ensuite le faire revenir dans de l'huile d'olive pendant 5 minutes, vitesse 100, 1 degré. Le bruit que vous entendez, c'est l'aspirateur. En fait, souvent, je lance une première fois pour aspirer à la maison le week-end. Minimum de travail le week-end. Un minimum de ménage, surtout. Donc oui, je le passe d'abord une première fois pour enlever le maximum de poils, de marlée et tout. Et ensuite, je mets avec la petite lavette, c'est le robot que j'avais reçu. Et franchement, ça va, quoi, en fait. Il lave... Comme je vous dis, il ne faut pas que votre maison... C'est pas comme le Tineco, quoi, en fait. Vous voyez, le Tineco, lui, il lave vraiment en profondeur. Là, c'est avec une lingette, donc ça étale un petit peu. Mais ça enlève les petites traces de pâte ou quoi qu'il pourrait avoir. Si vous avez des taches, ça ne les enlève pas. Faut passer derrière, quoi, en fait. Le Tineco enlève les taches. Là, ça ne les enlève pas. Et puis, si vous avez renversé quelque chose ou quoi, c'est pareil. Hein, ça va vous l'étaler plutôt qu'autre chose. Mais voilà, il y a un semblant de maison propre. Ça rafraîchit un petit peu la maison pour le week-end. C'est bien, voilà, donc c'est ça que vous entendez qui va. C'est surtout, comme je vous dis, pour enlever les traces de pâte de Marley. Allez, je vais finir ça. On a fini Scandale hier, comme je vous ai dit, il était temps parce que voilà, on se lassait, que ça soit moi ou Greg. En fait, la fin qu'on a, on aurait pu la voir au moins 10 fois dans la série, quoi, en fait. Et en fait, à chaque fois qu'on pensait que ça allait être la fin, il y avait un truc. Et là, je pense que c'est ça, hein, il se laisse au cas où. Alors, il n'y a pas, j'ai regardé, il n'y a pas de 8e saison. Ouais. Je sais, comme je vous ai dit, je ne sais pas si je regarderai. Parce qu'en fait, à chaque fois, cette fin-là, on s'y attendait, quoi, en fait. On s'attendait à cette fin-là. Et il aurait pu l'avoir au moins 10 fois. Et à chaque fois, il y avait un truc qui faisait que. Et en fait, ça tournait en boucle à la force et ça devenait lassant. Mais là, du coup, comme on l'a fini, ce midi, à mon avis, on va commencer Magnolia. Alors, c'était quoi? Je vous en reparlerai tout à l'heure. Mais j'ai hâte. Je pense qu'on va regarder d'abord le dernier épisode pour se remémorer un petit peu la saison d'avant. Et j'espère... que si ça continue, qu'on va pas attendre comme là. Voilà, et que ça sera toujours aussi bien. On y va. C'est un petit, une petite série légère, hein, les Magnolia. C'est vraiment... voilà, c'est pas du tout le même style que Scandale. Hein. Allez, je continue ça. Donc du coup, j'en étais où? Oui, huile d'olive, 5 minutes, donc, 100 ensuite, degrés. Il faut rajouter... Alors, c'est une recette qu'on peut très bien faire à la casserole. Hein. Vous... hachez l'oignon, vous le faites revenir dans l'huile d'olive, vous ajoutez une fois que c'est revenu, vous ajoutez le vin blanc, 140 g de vin blanc, une cuillère à café de graines de coriandre, 75 g de coulis de tomate, un morceau de sucre, une branche de thym, une feuille de laurier, une pincée de sel. Donc vous voyez, c'est tout à fait possible. Allez piocher, même si vous n'avez pas le MCC ou autre chose, allez piocher des recettes dedans parce que franchement, c'est une mine de recettes et on peut très bien les adapter en fait. Parce que le MCC, c'est un mixeur et une casserole en fait. Hein. Donc si vous avez un mixeur et une casserole, vous pouvez très bien faire les recettes. Marley qui veut retourner dehors, il fait que ça. Que ça. Hop, et ça c'est parce qu'il a du boudin. Donc une pincée de poivre, on remet le gobelet doseur et 15 minutes. Mais du coup je me demande pour les champignons parce que je pense que les champignons, je vais regarder. Et je vais mettre aller dehors parce que comment il va brûler les champignons, je les mettrai après parce qu'on doit relancer la cuisson pendant 5 minutes. Donc là déjà on va s'occuper du petit jus. Donc 15 minutes, 100 degrés vitesse. Alors, moi je ferai bouillir le mélange. Tout simplement. Coup, une fois que c'est fini, on ajoute les champignons, on remet le couvercle et on refait cuire 5 minutes. Vitesse 1, sens inversé, 100 degrés. Et en fait, ils disent que si, mettons, il y a encore trop de liquide, on peut refaire cuire 5 minutes. Je viens d'avoir ma mère au téléphone, elle me demandait si on n'avait pas eu trop de dégâts. Elle disait que son voisin, toute sa toiture de véranda s'était envolée.
Après quelques petites tuiles, des choses comme ça, mais ça va. Mais bon, moi j'ai un peu... Du coup, c'est ce que je lui disais, j'avais un peu peur pour ce soir. Il me renonce une autre tempête encore avec des vents, voilà. Mais comme je lui dis, là, les trucs, ils ont quand même un petit peu morflé avec le vent. Donc, ce qui a tenu là, est-ce que ça va retenir une deuxième fois, hein? Voilà. Et puis là, ouais, on a eu... Enfin, nous, ça va, hein, on a vraiment eu de la chance, hein, on n'a strictement rien. Juste un petit truc sur la toiture, hein, c'est ça? Je vais porter la poisse, mais non. Un petit truc sur l'avant, c'est de la véranda, de la, pas de la véranda, mais de la terrasse. On a une terrasse couverte à l'étage. Et un petit truc là sur le côté, hein, t'as dit. Mais rien de méchant, quoi, en fait. Greg va juste aller le raccrocher. Ouais, mais il va pas repartir là, il risque pas de s'envoler là. Et mais ouais, il y en a certains, les arbres et tout, les... Au collège, c'est bien ça. Ouais, c'est des arbres, ouais. Il y a de collège à Stécie, il y a tous des arbres, la route, elle a été bloquée, il y a tous des arbres qui ont été dans les parcs et tout. Bon, bref, allez. Ça a été alors, au potager? Ça va? Les champignons, du coup, ils sont là. Greg a goûté, bon, ils sont chauds, là, il faut attendre qu'ils refroidissent, mais il a dit qu'ils étaient bons. Donc voilà, c'était une demande de Greg en entrée cette semaine. Donc ça s'est fait, je suis en train de faire mes carottes, je vais faire mes carottes pour faire carottes râpées. En fait, ce que je fais une petite liste des choses que je fais en entrée et en dessert. Comme ça, au fur et à mesure, bah, ça va me faire une petite... un petit pense-bête, quand je suis en manque d'idées, ben je peux aller dessus. En fait, dans la partie de mon journal de bord, la partie organisation repas, il y a deux petites fiches comme ça. Idées de plat. Et en fait, donc j'ai fait idée entrée, idée dessert. Voilà, comme ça, ça me fait des petites to-do list, enfin une petite liste au cas où je manque d'idées. Voilà. Et je remplis au fur et à mesure toutes les semaines quand le poulet est pratiquement cuit. On va pouvoir manger. Ouais, Greg a sorti ses filets mignons pour les faire fumer demain. Donc vous voyez, ils ont changé de couleur. Ils sont devenus un peu gris, un peu comme la viande quand elle est dans le sel là. Comme les petits salés ou quoi. La couleur, elle est un peu grise. En fait, c'est la couleur normale, logiquement, du jambon. C'est parce qu'on met du nitrite. C'est ça, hein? Du sel nitrité. Si, une fois, on en avait acheté. Et en fait, quand on s'en est rendu compte que c'était pas... Parce qu'à un moment, on avait voulu faire des saucissons maison, de la saucisse sèche. Et on avait acheté, du coup, du sel nitrité. Et en fait, c'est pas très bon, en fait. On peut s'en passer. c'est surtout pour la couleur, en fait. On garde la couleur rouge avec le sel nitrité. Petit apéro du week-end. Monsieur Loulou. Bah ouais, le saucisson, des fromages. Un petit peu de reste de chorizo qui avait de la raclette. Ça, il me reste des tranches de raclette aussi. Mais comme c'est de la raclette que j'avais congelée, je peux pas la recongeler. Il m'en restait juste un tout petit peu. Donc du coup, j'ai dit à Greg, ce soir, on les mettra dans les Américains avec les frites. Voilà, ça fait partir, ça évite d'avoir du gaspillage. Et puis les enfants, je pense qu'ils vont bien aimer. C'est vrai que j'aurais pu faire aussi style, vous voyez, après comme des burgers ou des trucs comme ça, mettre de la raclette dedans. Je vais mettre des glaçons, je me suis pris un petit punch, mais moi je prends beaucoup de glaçons, parce qu'autrement, piouf, il n'y a plus de Sandra. Je sente la Marseillaise en breton, comme Greg dit. Non, mais moi, c'est pas en breton. C'est en ch'ti que je la chante, la Marseillaise. Bah non, j'y arrive déjà plus à parler. Hop là. Il y a autant de glaçons que de petits ponches. Allez, tu nous mets un épisode. On va re-regarder le dernier qu'on avait regardé. Oui, mais c'est pour se remémorer, parce que tu vas me dire, ah, c'était quoi là? Qu'est-ce qui s'est passé là? Hein? T'as vu mon truc? T'as vu ma nouvelle planche? Ma nouvelle planche? Ouais, elle est belle. Elle est belle? Attends, pour la nettoyer et la poncer un petit peu, chérie. Oui, chérie. Merci, mon amour.
On va manger. On a mis dernier épisode pour se remémorer un petit peu. Et en fait, compte, j'avais complètement oublié. Il y a plein de trucs qui se repassent. Et que... C'est Angel qui a coupé le poulet. Il a fait un carnage ? Non. Je lui confie le plat d'un homme. Voilà. Non, mais ça va. Bon, il y a des chiquettes partout, regarde. Oh là 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 là. Bah, fallait faire toi-même. Hein? Non, mais. On a fini de manger. On s'est installé. Il y en a un qui ronfle déjà. Mais je vais me mettre dans le petit bout. Et puis je vais regarder la télé et en même temps je vais travailler un petit peu. Ouais. Cocooning cet après-midi. Un homme en cuisine. Il est en train de faire le goûter. Pain perdu. Un brioche perdu. Non mais j'en ai une moi déjà là-bas. C'est pour toi celle-là ? T'en veux pas ? Ah parce qu'en plus il en veut pas. Il fait juste pour moi. Oh, bah, je vais en train de faire. Cécile, tu veux pas venir perdu ? Ouais, bah, c'est mon vouloir. Non, mais je vais peut-être en manger une deuxième, mais je vais déjà manger la mienne. Bah, fais pour le reste de lait, pour pas gaspiller. Alors, Greg s'est un petit peu endormi, hein. Il trouve un petit peu gnangnan. Moi j'aime bien. Moi j'aime bien. La tempête est là. Elle est au bord là. On le sent bien. Le vent qui s'engouffre et tout et tout. Hein ? On est bien devant la cheminée, devant la télé, tranquillement installé. Je vais mettre encore un ou deux épisodes après je vais assurer d'action. Oh. Ah si. Ouais, ça fait longtemps que j'en ai pas vu. Entre scandale et. Mais si tu veux. Fait des compromis, hein. Compromis. Allez. C'est soit ça ou soit il dort tout l'après-midi. Ah, qu'est-ce que tu veux, Marley ? Hmm ? Quand on a mis le canapé en mode lit, tout de suite. Hein ? Marley ? J'aime bien quand on le met en mode lit, il y a plein de place. Puis c'est qu'on va s'allonger, donc il va pouvoir s'incruster entre nous. Bon allez, je vais finir mon épisode et puis après je vais le laisser mettre son film d'action. Hein ? Ça aurait été vraiment une après-midi tranquille là, hein, aujourd'hui. Avant la reprise de demain. Ouais, c'est vrai, ça fait longtemps. Et puis là, franchement, c'est pas du temps à sortir. Hein. On sait jamais. Ouais, bah tu devrais peut-être y aller avant que la tempête elle soit trop là. Ah mais c'est pas encore à la pointe. Hein. Bah tant pis, c'est pas pour. Je ne suis pas sûr de vouloir savoir ce que. Ouais. On va manger sa brioche. Cause the best thing about it is I know I'm coming back. Oh oh. Of all the magic places in the world I've been. This is where my heart is, oh you know it's true. No matter where I go, I'm calling home to you. Been walking down the street so many times, my feet know every brick and stone. Could wear a blindfold, no matter what I do, I'm calling home to you. And I don't... Alors j'ai fini par lui laisser la télé, il nous a mis un... C'est un Spider-Man en fait, hein. C'est ça ? Spider-Man homme quelque chose et là il est reparti reconduire la chérie à Angel. Le temps souffle, enfin le vent souffle bien. Oui c'est ça, ah, chérie. Oui bah il faut juste en sortir 4. Et là avec Stacy on est en train de préparer le repas du coup de ce soir. Bon il n'y a pas grand chose à préparer, hein, juste mettre les frites dans le ninja. Et on a vaché comme des croquettes de poulet. Il y a 15 jours on va... On va faire ça et celui qui veut, ben, il y aura aussi restant de raclette aussi. Hop. Ouais, c'est comme des sticks. Ça fait penser au truc qu'on a dans les friteries là. Et va encore en balâche. Ouais, voilà, ça fait des croquettes comme ça. Jamais. Voilà. Donc, du coup, c'est mis avec les frites. C'est lancé. Tant qu'il revient, ce sera pas pratiquement cuit. Hop.
Ouf. Et demain, c'est la reprise. Ah non, maman, rappelle-le-moi. Ah non, maman, rappelle-le-moi pas. Mais moi non plus, j'ai pas envie, chérie. Hein? On est si bien en vacances. Mais il faut bien qu'on reprenne pour tout le monde. Non, 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 tu vas aller à l'école, chérie. C'est bien aussi la reprise. C'est bien. Bon, allez, c'est bien aussi de dormir, ouais, mais bon, tu t'ennuierais à la force si t'aurais pas l'école, chérie, tes copines et tout. Elle réponse à tout. Je vais commencer les routines, comme ça, ça sera fait. Je vais prendre ma petite fiche, ma petite liste qui est par là. Et puis commencer. Parce que, comme je vous ai dit, demain c'est reprise. Donc, debout, 5h30. Et puis voilà, on va reprendre sa petite routine. On va manger. On est tous en train de s'affairer pour faire son petit sandwich en fonction de ce qu'on a envie de mettre dedans. Bon, et puis on va aller s'installer devant la télé. Devant, du coup, Spider-Man. Mais c'est Spider-Man version jeune en fait. C'est un petit. Un ado en fait qui est pris Spider-Man là. Quoi? Non, c'est l'autre là-bas. Oui, mais non, mais là il est ado très jeune quoi. Parce que. Non, mais d'habitude il est il est à la fac. Mais là il est pas à la fac. Il est. Non, là il est lycée. Hein. Il est au lycée. Si, si. Bah non, parce que dans l'autre, il est avec une fille qui est... Oui, dans le tout premier, mais là, c'est au début qui... Merci de m'avoir compté. Ouais, bah, mais bon, c'est sur Netflix, hein, au cas où vous demandez. J'en sais rien. Ouais, on va manger. On a fini de manger. On est en train de finir les 2-3 petites routines, sortir les poubelles et tout. L'aspirateur est en train de faire son petit travail. Puis ben, on va aller prendre sa petite douche, mettre son pyjama et aller faire dodo, essayer de s'endormir tôt. Parce que demain c'est la reprise. Alors moi à chaque fois, quand le lendemain on a quelque chose comme ça où je me dis faut que je dorme vite, faut que je dorme vite parce que demain matin je vais être réveillée de bonne heure, ben c'est sûr que j'arrive pas à dormir. Alors je vais prendre un peu de mélatonine ce soir pour être sûre de trouver le sommeil. Mais bon. Hein? Oh là là, je suis fatiguée alors qu'on n'a rien fait de la journée. Encore pire que si on aurait fait quelque chose. Hein? Allez, j'espère que ça va pas trop souffler cette nuit, là, Greg. Tu sais, en rentrant. Oh, pardon, je vous disais que ça commençait à bien souffler dehors. Alors moi, je dors avec des bouchons, donc du coup, je vais rien entendre, mais je sais que Greg, il entend. Les plaques de la... Je vous ai dit, hein, on a une terrasse à l'étage qui est couverte. Et en fait, les plaques qui recouvrent la terrasse, en fait, ils ont tendance à se lever quand il fait beaucoup de vent comme ça. Enfin, le vent s'engouffre, en fait, et du coup, ça se soulève un petit peu. Bon, allez. Je vais vous laisser. Puis, du coup, je vais vous dire à demain pour... pour cette reprise, Angel qui rentre du bois. Pour demain. Allez, bisous, à demain. You told me more than once to show you my intention. My brain gets blocked at times, but now somehow I'll give you my attention. You've got to know that I ain't a person.